Étienne, Saint-Fortien, Kana, Mbandaï, terre du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayiboka, Botena, Pino, Barso. Wadoua, Benzi, Wanaï, Chiote, Nawa, Salimi, Yanini, Mote. Banabeto, Basuwe, Royo, Eno, bonsoir. Bampangi a mouni a l'sol, Bampangi a Vincent, Mbote na Beno, yonsor. Anna, Lengo, Moyanyo, Tché. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Oui, chers compatriotes, Oyo et Zali Breaking News. Kaka, bah, flash. Bon, kaka, pendant quoi il s'est vino. Suite, il y a feuilleton. Baramos, directeur général, il y a Foner. Fonds national d'entretien routier. Mais le plus important est Zali Kolakisabino, publication officielle, il y a bah, ordonnance au Zali Konomé, chef d'état-major, il y a garde présidentielle, n'a commandant de la garde républicaine. Voilà, commandant de la garde républicaine. Balongoli, Batonion, c'est à Kalao, il y a la Kabylie. Donc, vraiment, Fatih a frappé la Kabylie Nabarwandé. Voilà, excusez le terme, mais c'est la vérité. Et rien que la vérité. Parfois, nous sommes hypocrites, nous voyons, mais nous ne disons rien. Voilà, la Kabylie... C'est la rwandofolie, voilà, si vous voulez. Un nouveau terme, un néologisme. Voilà, chers compatriotes. Mais avant de vous montrer la vidéo sur les nominations à partir de la RTNC, nous allons d'abord vous montrer la suite du feuilleton. Bah, juge Mibaleo, Baboy, na niveau ya appel na tribunal de grande instance parce que les Cambrésa déjà, les Katami déjà, ils ont déjà délibéré na tribunal où ya matete. Bon, mais Bazo Bengango, parquet général de matete, côté voilà, mais ils allaient quoi dépendre. Ils en ont limité, mais ils allaient quoi dépendre là service judiciaire, ils ont divisé, ils ont dépendre dans ma tété. Voilà, chers compatriotes, regardez. Andeko, Tokutani Lissousou, Oyo, Ezali, dossier, il y a directeur général Yafoner, fonds d'entretien des routes. Kangaye depuis le 9 avril. Juge Mibale. Boy. Donc, Zalina. Tribunal de grande instance. Yagombe. Dossier est commis déjà. Na appel. Donc, ça veut dire que. Juge Jaki en gros déjà. Rejetaki. Demande ya liberté provisoire. Mais seulement. Avocat, il y a directeur on a Foner. C'est pélité. Qu'est-ce que ça l'appelle? Dans le tribunal de grande instance, il y a Gombe. Dans le tribunal, on a juge président, il y a tribunal, on a Azali, c'est pélité, na liberté provisoire. Mais si, quoi, juge Mibale,
Oyo bazana dossier wana ba c'est pelité, c'est comme si bango balingi kopesa directeur général wana ya Foner oya yibi bambonge pelé pelé 20 millions plus bambonge pelé oyo asomba ba immeuble plus de 30 immeubles et je ne sais pas quoi encore. Et puis, entre parenthèses, conseil d'administration, il y a fonds d'entretien des routiers, et Zali composé na madame maman Sifa. Na moana nae Sifa, moano ya Olive Lembe, na Joseph Kabila. Donc, allez chercher où est l'erreur. Balingi babi oui, c'est criminel économique. Donc j'ai joué un ami balé. Est-ce que bangi va s'abstenir? Balobina langage juridique se déporter. Ils se sont déportés. Mais il paraît que d'après Gekoko Mulumba, nous allons vous montrer son intervention à lobby. Donc, d'après le droit, les principes, les préceptes du droit, on ne peut pas se déporter quand l'affaire a déjà été délibérée. Bon, Bokoyo Kaye, Yepazo Sepelate, position ya ba juge Wanami Balé, Ndengeni, Bango Balingi, ba pe se liberté provisoire na criminel économique. Na langage courant ezakaka moyibi ermoko ba moya français et pesaka mwangelingeli ornement, mais détourner tout ça na lingala ezakoyiba eza moyibi en cravate, c'est ça. Voilà, nous allons lire l'information ensemble avec vous. Et comme ami la français, donc Tokotangango la français. Deux juges du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui ont récemment reçu le dossier en appel sur l'accord de la liberté provisoire au directeur général du Fonds national d'entretien routier, FONER, Fulgence Lobota Baramos, ont décidé de se retirer de la composition. Le premier, Samo Tondi Ikomba Sami, a dans une correspondance adressée au président du tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, annoncé qu'il ne siégera plus dans le dossier concernant le DG du FONER. Selon lui, plusieurs facteurs l'ont mis dans l'impossibilité d'opiner dans cette cause, dont le plus important demeure la préservation de son indépendance. Voilà. L'autre juge, Muteba Mfuimbo. Fuimbo peut-être. Bon, je vais lire Muteba Mfuimbo, comme c'est écrit, dans sa correspondance adressée également au président du tribunal de grande instance, TGI. Et on ne peut plus clair, citant le premier président de la cour d'appel qui voulait imposer sa position à la composition comme s'il en était membre. C'est clair, hein, Bandeko. Donc, Bangomi Baliwano, ba Boy, Kosije Natosiwana, Balingi Libération. Donc, Bazali, comment on est premier président de la cour d'appel Neti Alinga imposé position naïe. Peut-être qu'à Ebisi Bango que Bakati déjà l'ikambo que jamais Bako Kikope sa liberté provisoire. Mais Bango Siko Balimba sa liberté provisoire. Sur base de quoi? C'est flagrant. Donc, les raisons pour le maintenir en détention préventive, c'est
C'est très lourd, hein? Les raisons sont lourdes. Hein? Ok. Alors que la composition y a travaillé d'arrache-pied pour se prononcer dans le délai requis, grande a été la stupéfaction de la composition de constater que Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe voulait lui imposer sa position comme s'il en était membre. Tout cela contrairement à l'état de droit qu'a toujours prôné l'actuel chef de l'État depuis son avènement à la magistrature suprême et au principe de l'indépendance dont doit jouir le juge, écrit-il. Ah oui, c'est vrai, hein, l'état de droit, bah, ils ont raison, mais le problème, c'est que, est-ce qu'ils ne sont pas kabylo-compatibles, ces magistrats-là? Donc, il faut déjà le soupçonner, ça sent le parfum de la corruption, bien que n'ayant pas de preuves. Bon, voilà, mais je pense que la raison du plus fort sera la loi, l'état de droit, donc Fulgence Baramos sera maintenu en détention. Voilà, chers compatriotes Toleki, Sikoyola, information, Mosusu. Mbote, bande konanga nyoso. Et l'okale bosu nazo apporter une précision de taille. Na publication moko etambola ki na WhatsApp on a otako koma tout à l'heure. Na on a checké na Facebook na otako supprimer ngo rapidement parce que na yo kozwa la bonne information. La bonne information est celle-ci. Les deux juges otomoni ba se déporter na affaire wana ya Bamaros Fulgence et Fulgence ce qui Baramos ou Bamaros bref DG à ya Foner. Ba juge wande baza batu mabe. Bango balinga ki ba pesa Bamaros wana liberté provisoire na niveau a TGI. Balobi ke ba pesa liberté provisoire. Premier juge président ya Gombe coup de chapeau. Pour mboka o il faut changer. Premier juge président bango baza ko akize yende a boyi alobi non. Il y a des faits graves, très graves même. Tout au début beaucoup pesa montou liberté provisoire t'es? Il faut pas continuer l'enquête pour pas faire ça li grave. Quand je vous dis grave, c'est grave. Bah toi bah wele li mangu, déjà tout ça la réflexion moko simple. Déjà mona batou ba se déporté quand l'affaire est déjà l'affaire ba jongo déjà en délibéré. Et ça la katé? Bah se déporté déjà affaire est en délibéré. Ce qui n'existe pas. Ce n'est pas une procédure normale, c'est une entorse. Coup de chapeau, na Papa Nzuzi, où y a premier juge président, il y a cour d'appel à Gombe. Donc, les deux juges, bah, on s'habille sur aventure, bah, commis, bah, ça, bah, qui déjà prêt, il y a copé sa moutouana, où y a Azali poursuivi, je dis bien Azali poursuivi, na bah, détournement, il y a dénié public, Azali, bah, infraction, ming, ils ont pesé sur rien, bah, prévention, ils ont pesé sur rien, totique à l'aventure, ouana. Toti ka vous même aventure wana. Justice ne le vakaba mboka et le vakanation. Tozo bunda ke ba justice ou zaka ya deux vitesses ou double vitesse na période wana ya kala. Le lo koza la te. Mboka tozo souffrir. Kongo toza même pas na respirateur mi balé. Na ba hôpital. Makamba soni. Ba indi ba kompe sou ba respirateur. Makamba soni. Bon mo skobi no ba juge. Ngongini a subi non pona ko ko ta ba detail belé. Ngongini a subi non bo ko sa biso bo se déporter rapidement, bo ju ba lettre, pas mon la que ça va aventure hein. Bo se déporter, bo ju ba lettre, bo tu ma réseaux sociaux, pour pas compatir la non, vous n'êtes pas sérieux monsieur. Congo est abinoté. Donc bino ba juge bo comme ça justice comme le quoi commerce n'est pas sur un bon ton abandaku. Mutu ala li mbongo Congo belé. C'est monsieur Bamaros là, ça la commet de ndako na ville de Kinshasa wana. Na gombeza la commet de ndako. Batu nyoso ba ibi mbongwa l'état ezala yo nani ezala nani na boy kotanga ba kombwa wa justice esa la musa na ngo naza contre mutu moko tina za contre mutu te ngaje kokona za millionnaire te nana mbongo mingi te me na banda kuluka mbongo mwakala mwakala na iba mbongo te ya l'état na tika ko gérer ta wenze te na tika ko gérer ta balabala moko ya l'état te na tika ko gérer ta na tika ko za ta chef du quartier te.
Mais bino ba million ya Congo, au Congo zo souffrir, boka matambongo na ye, boka matambongo na biso bonya kango boy. Bo pesa mutali bete pour vous apporter bo lié ba mbongo na ye, c'est quoi ça? Hein? Ba ne comprends que c'est la kanda parce que pesa nga fo makanda. Congo zo mutu mo côté. Mutu mo za na certificat na régime te que Congo zo to asa héritier Congo tata même tatique là et non. Congo zo biso nyoso. Justice ya lelo toujours prôner que justice ya lelo ezala ya ba tu nyoso ezala équitable pour la tout le monde, tout congolais. Bo tika ba ventir wana. Vous avez fait un vous avez fait un tour, Batunio so baza trempé na katia makambu ya détournement de deniers publics, il faut ba fouta. Bazongi simbongo et puis justice a condamné bango. Nga les pauvres na sala 14 mois pour une infraction montée de toutes pièces, message de WhatsApp, un message privé entre des individus o ye subi sa ta publicité. Boni boyoko, kongese ya bisonyo soa. To continuer makambu na sukina nuwana. Il faut juge contre juge président. Il faut sanctionner Bango, il faut interdire Bango. Deux juges joignent Bango, il faut interdire Bango. Il faut interdire Bango. Et maintenant, voici les nominations à la présidence, notamment la nomination du commandant de la garde républicaine. Et ensuite, la nomination du chef d'état-major de la garde républicaine. Voilà. Il y a aussi d'autres nominations comme la nomination du cardinal Monseigneur Ambongo, archevêque de Kinshasa, qui va s'occuper d'un fonds là qui est consacré à la riposte du coronavirus. Voilà, regardez. Sarah, bonsoir à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, pardon. J'ai en fait trois ordonnances que le président de la République vient de prendre. La première ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 20-024 du 11 avril 2020 portant nomination dans la catégorie d'officiers généraux des forces armées, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 191. Vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9. Vu la loi numéro 12-001 du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3. Vu la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 60, 62, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10-047 du 23 juin 2010, instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État,
des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé au grade de général-major des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent. Chiwewe Songesha Christian, matricule 1-68-98-221-22-60. Article 2. Sont nommés au grade de général de brigade des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent. 1. Banza Mouilamboué Jules, matricule 1-69-97-134-02-56. 2. Kabi Iriza Ephraim, matricule 1-78-96-491-98-71. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 11 avril 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint. Ordonnance numéro 20-025 du 11 avril 2020 portant nomination au sein du commandement et de l'état-major de la garde républicaine. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 191, vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011 portant nomination et fonctionnement des forces armées, spécialement en ses articles 9, 21 et 37, vu la loi organique numéro 12-001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3, vu la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2, 71, 72, 73 et 167, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 13-063 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine, spécialement en ses articles 11 et 12, vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019
portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Sont nommés aux fonctions ci-dessous, au sein du commandement de la garde républicaine, les officiers dont les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent. 1. Général-major Chiwewe Songesha Christian, matricule 1, 68 98 221 22 60, commandant de la garde républicaine. 2. Général de brigade Chico Chitambwe Jérôme, matricule 1, 76 97 563 73 06, commandant adjoint de la garde républicaine chargé des opérations et du renseignement. 3. Général de brigade Banza Mwilambwe Jules, matricule 1 69 97 134 02 56, commandant adjoint de la garde républicaine chargé de l'administration et de la logistique. Article 2. Est nommé chef d'état-major de la garde républicaine le général de brigade Kabi Kiriza Ephraim, matricule 1 78 96 491 98 71. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 11 avril 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint. Troisième et dernière ordonnance, ordonnance numéro 20-027 du 21 avril 2020, portant nomination des membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 81. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu telle que modifiée et complétée à ce jour, l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
2019. Vu l'ordonnance numéro 20-018 du 6 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Fonds national de solidarité contre le coronavirus en sigle FNSCC, spécialement en son article 6, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés en qualité de membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, en sigle FNSCC, aux fonctions en regard de leur nom, poste, nom et prénom, les personnes suivantes. 1. Son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, coordonnateur. 2. Révérend pasteur André Bokundoa Bolikabe, coordonnateur adjoint. 3. Professeur docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, membre. 4. Cheikh Abdallah Mangala, membre. 5. Révérend pasteur Sonny Kafuta, membre. 6. Révérend Delphin Elébé Katalaï, membre. 7. Madame Liliane Bakeyela, membre. 8. Madame Marie-Madeleine Kalalangoy, membre. 9. Monsieur Roger Kamba, membre. 10. Monsieur Patrick Ngoulou Mbio Baoul, membre. 11. Monsieur Patient Bachombe Matabishi, membre. 12. Monsieur Yvon Chizumbu Mansanga, membre. Article 2. Les ministres ayant la santé publique, les finances, l'économie nationale et les affaires sociales dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 21 avril 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 21 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint.